Alors, je disais comme ça, soyez bénis et tout ça. Je ne suis pas Guida de Guigou, je répète, je ne sais pas qui veut entendre. Mais souvent, les gens me prennent pour quelqu'un qui est de Guida, de Guigou, et souvent, les gens ils pensent que je suis de Zaroko. Non, Zaroko, c'est un village qui m'a adopté, mais par rapport à une mission. J'ai connu Zaroko en 2012, en 2013. Je pense bien, c'est bien précis, en 2013. Par rapport à une œuvre d'évangélisation. J'avais déjà une grande église à Paris, du moins, tant pour moi, à Abidjan, à La Palmas, où je gérais déjà cette église et tout ça. Tout le monde connaît déjà. J'avais beaucoup d'artistes qui venaient dans cette église et tout ça. J'avais beaucoup de personnalités. J'étais le premier homme de Dieu en Côte d'Ivoire en 2009 qui a fait un débat télévisé. N'est-ce pas, avec Ben Zawi, il a cité les deux de 2h30 minutes. J'ai fait un débat de 2h30 minutes sur la sociologie. C'était la première. C'était la première. Et après ça, les gens m'ont invité dans beaucoup de villages, dans beaucoup de contrées et tout ça. J'avais une grande église à La Palmas, sur le boulevard Latry. C'est l'Est à Palmas. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours là, mais c'était La Palmas. C'était une grande salle que j'occupais. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, sera un peu. De quoi je parle. Alors, donc, chez Dieu, c'est une invitation du Saint-Esprit qu'on a découvert de Zaroko. Et le Seigneur m'a envoyé là pour aider une dame, et c'est parti de là, et tout ça. Le Seigneur m'a puissamment utilisé dans ce village, où le Seigneur m'a utilisé pour délivrer, n'est-ce pas, tout ce village qui était embrigandé par la sorcellerie. Et par l'ordre et le mandat du Saint-Esprit, on s'est installé, n'est-ce pas, non seulement à Zaroko, parce qu'on a un grand centre, une chose, nous avons bientôt construit une grande église, un grand centre à Zaroko. Je précise très bien, un très grand centre sera construit à Zaroko. Et puis, le Seigneur nous a envoyé à Divo pour commencer une œuvre. Donc, là où vous êtes d'ailleurs, pour vous dire, moi, je ne marche que selon la vision de Dieu. Alors, pour dévoiler les mémoires, je suis né dans une famille musulmane. Je n'étais pas chrétien. Je me suis devenu par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés et c'est le Seigneur qui a permis que je croie en Jésus-Christ. Voilà, de Nazareth. Donc, je ne me suis pas levé comme ça un matin pour dire que je suis prophète. Je ne me suis pas levé un matin pour dire que je suis un chrétien. Voilà. Donc, d'abord, je n'aimais pas les chrétiens. Ou peut-être que ça va vous choquer. Parce que je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Donc, moi, j'étais déjà né dans une famille musulmane. Je savais déjà ce qu'on appelle Dieu. Personne ne pouvait m'apprendre Dieu. On m'avait déjà éduqué dans le domaine de Dieu. Et il y avait des difficultés, et c'est par la grâce de Dieu plus tard que j'ai connu Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je le prends au sérieux, et c'est ça qui m'a appelé. Et encore, il m'a appelé à un ministère prophétique. Je précise très bien. On ne se lève pas un matin pour dire Dieu m'a appelé. On ne se lève pas un matin pour dire Dieu me dit que je suis prophète. Non, je ne suis pas prophète parce que je veux être prophète. Je dis d'abord, tu ne peux pas devenir chrétien parce que je veux être chrétien. Ça, je précise très bien. Vu que je suis né dans une famille déjà musulmane, vous comprenez? Alors, il faut bien expliquer aux gens, je ne suis pas à Divo parce qu'il faut être à Divo. Dans mon parcours, j'ai toujours respecté la voix de Dieu jusqu'à ce que je sois aujourd'hui à Paris. Parce que quand les gens disent, ah non, mais tu es à Paris, mais Paris c'est quoi? Paris c'est quoi? C'est comme je peux être à Londres, c'est comme je peux être en Russie, c'est comme je peux être là où Dieu veut que je sois, mais je réponds. Et les gens pensent que c'est comme c'est Paris. Non, quand j'ai quitté Abidjan, pour me mettre dans une broussaille. J'ai payé le prix qu'aucun homme de Dieu ne peut payer. Parce que je vivais dans le temps. Pour ceux qui connaissent très bien Abidjan, j'étais au plateau au Vallon. Ceux qui connaissent Vallon, ils savent que c'est le quartier des anciens ministres de Foué. Ils savent très bien que ce quartier-là, ce n'est pas n'importe qui habite le quartier. La maison est moins chère, c'est moins 500 000 francs. Voilà. Donc, c'est là-bas que je vivais. Et c'est tout ça que j'ai laissé pour aller dans une broussaille, dans un village, dans une broussaille, pour vivre là-bas pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu me voulait là-bas. Je suis venu à Divo. Je suis aujourd'hui à Paris. Pour un problème de ministère et puis un problème personnel. Voilà, parce que je vis en France et je vis aussi en Afrique. Alors, pour vous dire un mot, qu'on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on est prophète. On ne se lève pas. Le Seigneur m'a puissamment, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été l'homme de Dieu qui a prophétisé sur Divo, qui a dit que Divo sera développé. Aujourd'hui, ou qui est à Divo là, demandez aux gens de Divo. Peut-être que s'ils ne sont pas, ils ont dit, me voir coûte. Avant qu'ils ne soient à Divo, ce n'était pas butimé. Divo n'était pas butimé. Mais c'est moi qui ai prophétisé. Divo là, il y avait plein d'accidents.
Et pour ceux qui sont au centre, il y a un carrefour là. Après ça, il y a un centre culturel où il y a une radio qui met la voix, qui met la CNPS là, Je vois qui pas. met là. Il y avait un esprit là. Oui. Chaque année, il y avait un accident. Je vois Il y pas. avait un esprit qui faisait des accidents. C'est moi qui suis allé consacrer là, pour détruire l'esprit qui faisait l'accident. C'est moi qui ai consacré la vie de Divo. C'est moi qui ai consacré aussi Divo, l'as Divo, de Divo jusqu'à Omé. Si vous voulez par curiosité, allez visiter cette voie. Aujourd'hui, c'est en train d'être en réflexion, c'est en train d'être bitumé. Le pas que j'ai posé, l'onction que c'est moi, c'est une onction de destruction des œuvres du diable et de développement. Le Seigneur est passé par moi pour faire ça. Zaroko, quand je n'étais pas à Zaroko, il n'avait pas de dispensaire, il n'avait pas d'eau potable, il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Le Seigneur m'a puissamment utilisé. Pour vous dire, quand on est en France, ça n'est pas dit qu'on est arrivé. Je ne suis pas en France parce qu'il faut être en France. Je suis en France par révélation. La preuve, c'est que je suis monté une église ici. Par la grâce de Dieu, on a une église. Et le Seigneur, aujourd'hui, me met à cœur de commencer une grande tournée africaine. Pour vous dire, affaire de Dieu, je sais qu'on a dit Dieu parle. Je connais mieux Dieu. Je sais. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a une onction plus terrible dans le domaine de la sorcellerie plus que moi. Ce n'est pas de l'orgueil, je ne connais même pas. Parce que dans beaucoup de villages ivoiriens, je n'ai jamais dit à quelqu'un brûle. Comme je vois sur les réseaux sociaux où il y a les parents qui ont dit il faut brûler ta maman, il faut tuer ton père. Non. Beaucoup de pères, parents, sont passés dans le truc. Voilà. Ici, à Divo, beaucoup de gens. J'ai un don. Je vous explique comment ça se passe. Je ne regarde pas ton visage, ce n'est pas ton visage qui m'intéresse. C'est comme en moi, c'est comme l'appareil de Dieu, l'appareil en moi. C'est à moi. Quand tu es en face de moi, quand tu es en face de moi, il y a quelque chose qui tourne en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je le sais. C'est comme si quelque chose qu'ils ont déposé à moi. Ils ont déposé à moi. Et dès que tu es sorcier, ça se déclenche. Quand ça se déclenche, quand je te dis que tu es sorcier, je ne le dis pas parce que je vais te faire plaisir, mais c'est vrai. Et quand tu commences à discuter, ça me montre toute ta vie. Comment tu as commencé la sorcellerie? Comment tu as fini? Si l'être humain peut créer détecteur de mensonges, c'est pas Dieu qui ne peut pas créer aussi détecteur pour attraper sorcier. Vous avez compris? Si Dieu, si l'être humain a créé détecteur de faux biais, c'est pas l'être humain qui peut pas, c'est pas Dieu qui peut pas aussi créer détecteur pour attraper sorcier. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle don. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1, le verset 3 à 4, la Bible dit qu'il y a diversité de dons et diversité d'opérations. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui ne voient pas. Or, le ministère de prophète, c'est la voyance. J'ai toujours dit aux gens, ne vous mélangez pas au pasteur. Si tu es missionnaire, tu es missionnaire à toi. Ne condamne pas ceux qui voient. Parce que la voyance ne veut pas dire qu'on a un don de python. Voix ne veut pas dire que c'est le charlatanisme. Voix ne veut pas dire que c'est de la sorcellerie. Non. La vraie appellation du ministère du prophète, c'est la voyance. Est-ce qu'on a bien saisi? Alors, Amen. vous êtes dans un ministère de prophète. Donc, ça vise à la voyance. Je suis donc vous êtes dans une particularité. Vous voulez savoir des choses. C'est tout à fait normal que le prophète, que Dieu utilise le prophète, qui vous explique les choses. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Oui, parce que pasteur, lui, il est là, il lit Bible, son mangeant, verset 16. C'est eux qui respirent les versets. Verset 16, Corinthiens, tout ça, Romains, tout ça. Bon, Romains, après Romains, c'est Corinthiens, après Jean, et puis c'est Isaïe, et puis c'est Jérémie, et puis c'est quoi après? Mais nous, on n'est pas dans Jérémie, tout ça. Nous, on est dans. Tu as mangé quoi? Tu vas faire quoi après? Voilà, tu te déguises à Marie, c'est ça qu'on voit. C'est pas Jérémie, verset 10. Non, 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 on n'est pas dans Jérémie. Tu es là, tu récites toute la vie de Genèse. Ça, c'est ton domaine. Mais nous, notre domaine, là, c'est la voyance. Je demande à un pasteur qui est là, prenez 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Cette nuit, il y a beaucoup de choses. Vous avez eu la Bible là? Oui, comment? Je suis bénédiction, non seulement ça pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je suis fier de ça. Parce que moi-même, la sorcière m'a lapé comme bonbon pecto. Vous voulez manger. Puis il a dit, tu viens dire, non, ne mange pas mieux. Voilà. Pour que vous compreniez comment j'ai été moi-même victime de sorcellerie. Vous voulez me manger. Ils m'ont lapé jusqu'à, pour moi, vous voulez me croquer. Ils ont dit, non, lui, il n'est pas mangeable. Laissez-le.
Voilà, puis on m'a laissé. C'est une sorcellerie, là. 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9. Allons-y. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Allons au voyant, celui qui voit clair. Allons voir celui qui voit clair. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, moi on appelle prophète aujourd'hui là, s'appelait autrefois le voyant. Mon nom avant c'est le voyant, celui qui voit clair. Donc, on dit celui qu'on appelait autrefois le prophète s'appelait le voyant. Donc c'est biblique, on dit autrefois. Et donc, je reviens encore sur un verset, parce qu'il faut qu'on vous enseigne ça. Je suis fatigué de répéter ça, mais c'est, la répétition est pédagogique. Parce qu'à un moment donné, il faut se mettre dans la peau d'un enseignant et puis enseigner les gens le principe. Je ne suis pas pasteur. Souvent, on m'écrit pasteur, s'il te plaît. Non, je ne suis pas pasteur. Celui qui lit la Bible, on l'appelle pasteur. De temps en temps, il voit clair un peu. Or, moi, il voit toujours clair. Mon gyrophore, là, ça voit toujours clair. C'est comme ça. Je dors, il voit clair. Quand il dort, je vois partout. Pendant que je dors, je vois sur l'autoroute, sur le périph', je vois tout. C'est bizarre, c'est comme ça. Ça fatigue, mais c'est comme ça, j'explique. Or, de temps en temps, Dieu peut le typer un peu, il peut voir. Vous comprenez? Donc, chacun a son don. Voilà. Vous comprenez? Alors, allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 14 et à 16. Pour que vous puissiez comprendre, je suis obligé de chaque fois revenir là-dessus. L'évangile de Jean, le chapitre 4. Parce qu'on est dans la parole de Dieu, hein? Parce qu'il ne faut pas m'en mentir. D'autres disent non, l'apôtre Paul a chassé l'esprit de Pluton. Mais il a chassé l'esprit de Pluton parce qu'il avait l'onction de chasser l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a que Pluton seulement. C'est parce qu'il était au moins qu'il a chassé l'esprit. Un pasteur, un homme de Dieu qui n'a pas la capacité de chasser un démon, qui parle seulement, qui donne les versets bibliques, qui prêche, qui donne les versets bibliques, qui n'a pas la capacité de délivrer. Quand vous voulez reconnaître un coin, celui qui a la capacité de chasser les démons. Ici à Paris, ici là, j'ai rencontré un monsieur angolais, qui était le général de la grande sorcellerie. Allez sur ma YouTube, vous allez voir. Qui est grand sorcier. Je l'ai délivré ici à Paris. Vous allez partout. Amène-moi à Brazzaville. J'ai délivré le grand sorcier de Brazzaville. Amène-moi à Zonouin. Je délivre les gars des Zonouin. Amène-moi à Zonouin. Partout, j'ai passé. Je les cherche. Chacun a son nom. Voilà. Et puis moi-même, j'aime ça. C'est mon domaine. Le gars, on l'a envoyé, il a voulu m'attaquer. Il est venu ici, il m'a cherché, tout ça. Après ça, il est délivré. Aujourd'hui, il fait partie de l'église. Heureusement, je ne suis pas le genre de gens. Mais regardez, l'onction prophétique est une réalité. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est le charlatanisme. Que non, en disant que quelqu'un dans le temps, on répète les choses, qu'on fait du charlatanisme. Non, c'est le ministère prophétique. Non, avec des. C'est pour ça qu'on marche sur le principe, la parole. Que voici ce que la parole dit vis-à-vis de notre ministère. Donc, les gens qui se déplacent, ils veulent savoir des choses. Parce qu'autrefois, quand les gens allaient consulter les hommes de Dieu, ils disaient, allons au voyant, allons voir celui qui voit. Parce qu'on ne comprend pas. Cette fille, on la voit dans la chambre. Cet temps, on la voit. C'est quoi en réalité? Vous connaissez le bruit de sorcier. Il n'y a pas plus menteur que sorcier. Allons-y dans Jean, le chapitre 4, le verset 14 à 16. Jean le chapitre. Amen. 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 Jean chapitre 4, le verset 14 à 16. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est ça, il a dit enseigné ça, mais je vais répéter encore. Allons-y. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur,
lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Elle dit, parce que tu as vu que tu es un prophète, vous comprenez? Alors, nous prenons dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques 20, le verset 20. Il faut qu'on vous explique des choses. Parce que vous n'êtes pas dans un endroit sans de prière, un endroit chrétien. Alors, nos principes, nos guides, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Nous nous basons sur le principe de la parole pour vous éclairer, pour vous dire que ce n'est pas de la plaisanterie, c'est que nous sommes en train de dire et faire. C'est basé sur les principes bibliques. On y va. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Très bien. Il dit, « En Dieu, vous serez affermis et en ses prophètes, vous réussirez. » Donc, il dit d'abord le principe, se confier en Dieu et après ses prophètes. Confiez-vous en Dieu, vous réussirez et en ses prophètes. Et en Dieu, vous serez affermis et sans prophète, vous réussirez. Donc, le principe, c'est quoi? C'est un principe très sérieux. Dieu qui nous amène à affermir notre foi et en ses prophètes, le principe de la réussite. Les gens, ils pensent qu'on se lève un matin. Moi, j'ai dit aux gens, tu crois en moi ou pas? Il n'y a pas besoin de quelqu'un croit en moi. Parce que moi, je ne suis pas né chrétien. Je ne suis même pas né pasteur. Je ne suis même pas né prophète. Je ne suis pas né, non. Je le suis devenu grâce à la volonté de Dieu. Voilà. Ce n'est pas parce que je voulais être prophète. Non, non, non. On ne va même pas à l'école pour ça. C'est Dieu qui nous choisit et qui nous établit. Donc, je ne me suis pas levé un matin pour dire. Donc, je crois... D'abord, quand Dieu m'appelait là, c'est à moi qu'il a parlé. Il n'a même pas parlé même à mon père ni à ma mère. Il n'a même pas parlé à papa de quelqu'un ni papa de maman de quelqu'un. Donc, si tu ne crois pas et tu crois, ça m'est égal. Amen. Voilà, ça m'est égal. Mais je suis dans l'obligation. Je suis esclave de quelqu'un qui est le souverain, père et créateur de toutes choses, en qui je dois obéissance et, n'est-ce pas, obéissance si vous voulez, et quelqu'un qui m'emploie. Et un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Voilà. Que tu comprennes ou pas, mon frère, Dieu ne peut pas le comprendre. Il est tellement... C'est un mystère. On ne peut pas le comprendre. Donc, Dieu lui révèle les choses les plus cachées. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire dans la nuit noire et sur une pierre noire. Donc, Dieu, il travaille dans ce sens-là. Donc, un prophète, c'est celui qui est chargé de communication et celui qui voit les choses les plus cachées. Voilà. Voilà. Donc, pour vous dire que vous êtes dans un ministère prophétique. Vous avez raison de venir dans ce ministère et de comprendre certaines choses. Et nous avons une spécialité, la délivrance, l'évangélisation et la délivrance des âmes. C'est ça un peu notre délivrance. Nous avons l'évangélisation, c'est-à-dire partager l'évangile. Au-delà de la délivrance, au-delà de révéler les choses les plus cachées, nous avons Christ qui nous annonce aux nations. Nous amenons les gens à comprendre que c'est Jésus-Christ qui est la solution à tout problème. Et que c'est lui seul qui peut nous délivrer de toute situation. Et au-delà de ça, il y a aussi un ministère, un don qui travaille, qui est le don de délivrance. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'ai toujours dit, que vous croyez ou pas, le ministère, ça n'a pas besoin de votre avis, ça n'a pas besoin de choses, demander votre avis. Alors, nous sommes dans un moment important où chacun a besoin d'une grâce particulière. Alors, je suis depuis la France, et précisément à Paris, avec Dieu. La distance n'est pas une barrière. C'est-à-dire la distance ne peut pas créer une barrière. Dieu, de toute façon, je vous vois, Dieu est plus proche de vous que moi. Dieu est capable de vous toucher là où vous êtes. Dieu est capable de vous guérir. Dieu est capable de vous restaurer. J'en ai déjà des preuves où le Seigneur a délivré les gens. C'est selon l'inspiration. Donc, dire, mais j'ai vu que tu as prié pour des gens au téléphone. Mais, si Dieu me met à te prier pour les gens, pour les vivants, si toi, Dieu veut que tu te déplaces, tu te déplaces. Mais on ne se base pas sur un principe. On dit non, tu es vu que. Non. Nous, ce qui est bizarre chez nous, on ne suit pas un système. On se base sur le réma, qui est la révélation de la parole. Il y a ce que Dieu fait, et puis il y a ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous dit là. C'est en fonction de ça qu'on marche, c'est ce qu'on appelle le réma. Est-ce qu'on va bien saisir? Donc, si vous voulez que vous ayez vu que j'ai couru aujourd'hui, malgré mes préoccupations, que je cours pour être là en direct maintenant, parler avec vous. C'est que Dieu me dit, va maintenant
Et c'est important. Laisse après le sommeil là, parle à ton peuple, tout ça. C'est ça. Le côté, n'est-ce pas, obéissance et de ce côté, souveraineté de Dieu souverain. Alors, soyez bénis, soyez davantage fortifiés dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, je vais vous adresser à chacun d'entre vous. Vous êtes au centre de Peniel, à Bibo. C'est le seul centre, c'est cet endroit-là, que le Seigneur, c'est le seul endroit en Côte d'Ivoire où on fait la délivrance, même des gens qui sont les plus redoutables à sorcellerie. Je suis l'homme de Dieu, le prophète Krasso, qui a révélé aux yeux de tout le monde que la sorcellerie est une maladie, qu'on peut être délivré de la sorcellerie. Je suis le seul homme de Dieu au monde que Dieu utilise pour délivrer les villages, n'est-ce pas? Les villages, les hameaux, des régions, des œufs de la sorcellerie. Alors, Dieu ne se trompe pas de son don, il ne se répand pas de son don et de son appel. Alors, je précise très bien que c'est le seul coin en Côte d'Ivoire, c'est le seul coin, ici à Peniel, c'est le seul endroit, voilà, c'est le seul endroit, et le numéro, vous le savez, c'est le 00-225-47-07-23-28, 00-240. Pour ceux qui veulent m'avoir en ligne en France, c'est tellement simple. Vous pouvez aussi être en Côte d'Ivoire, m'écrire. Je réponds, moi je réponds à tous les messages. Je réponds à tous mes messages. Mais soyez patient. Si j'ai, ah non, j'ai écrit. Non, soyez patient parce que je suis beaucoup occupé. Donc en France, c'est 00-337-55-30-87-48. Je réponds. 00-337-55-30-87-48. Quand vous écrivez, soyez patient. Parce que je n'ai pas que ça, il y a plein de préoccupations. Je suis aussi père de famille. Voilà, je suis père de famille, j'ai ma maison occupée, j'ai ma femme auquel je m'occupe, j'ai le ministère, j'ai plein d'activités, tout ça. Donc, il y a des jours où je prends mon temps, parce qu'il n'y a pas que vous seuls qui écrivez, il y a plein de monde. C'est-à-dire, quand je regarde au WhatsApp, c'est beaucoup, et je trouve que les gens souffrent. Donc, je prends de mon temps doucement et je réponds en fonction de mon planning. Voilà, donc je comprends la situation que vous envoyez à Divo. Vous voulez que Dieu vous parle, vous aimerez que le Seigneur agisse dans votre vie, vous aimerez que le Seigneur se manifeste pleinement dans votre vie. C'est mon souhait, c'est moi-même mon souhait. De voir la puissante main de Dieu agir dans votre vie, c'est voir la main de Dieu vous défendre. Alors, en qualité de prophète de l'Éternel que je suis, je parle sur ta vie. Et je déclare que le Seigneur, notre Dieu, qui est Hachem, le Dieu des Hébreux, te délivre de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Que le Dieu d'Israël te délivre dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Amen. Et que la puissante main d'Hachem, Hachem, ce sont vraiment en hébreu. Ce sont vraiment en hébreu. Parce qu'il y a un moment donné, on est fatigué de traverser des choses. Même le désert, à un moment donné, on est fatigué. Le désert, là, quand on sort du désert, c'est qu'on veut manger après. Même dans le désert, Dieu a nourri son peuple. Dans le désert, il y a eu de l'eau. Dans le désert, il y a eu la manne qui est descendue du ciel. Et dans le désert, donc, toi qui es en train de vivre des situations difficiles dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ta vie maritale, que la main de Dieu intervienne maintenant et te délivre au nom de Jésus. Amen. Et que ceux qui ne veulent pas te lâcher. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne voudront pas te lâcher, entrer dans la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui vont vouloir, frère, la vie, elle est précieuse. Et puis, on ne peut pas ôter la vie de quelqu'un par une programmation d'accident, parce qu'on a envie de manger orteil, parce qu'on a envie de manger la langue de quelqu'un, ou on a envie de manger tête de quelqu'un, donc on veut manger. Donc, ceux qui ont programmé de manger, qu'ils soient mangés à ta place, dis amen. Amen. Et que leurs œufs soient détruits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que cette parole prophétique que je viens de donner, maintenant, rentre en activité avec effet immédiat au nom de Jésus. Amen. Oui, avec effet immédiat. Envoie la fin de cette année et qu'on annonce la destruction de tout Esaü, qu'on annonce la destruction de tout ce qui est assis sur le trône de ton mariage. Amen. La destruction de ce qui est assis sur le trône de tes finances. Amen. On annonce la destruction des œuvres des ténèbres sur ta vie. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. On dit amen. Amen. Voilà, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celle qui est en face de moi, là, comment tu appelles toi? Pour Elisabeth. Tu es venu à qui? Je suis venu à mes enfants. Ils sont où? Ils sont ici. Où sont les enfants? On s'est déjà vu, toi et moi?
Non. On s'est déjà vu? C'est obligé de dire. Non. Elle et moi, on s'est déjà vu? Non. Alors, c'est votre maman? Oui. Elle est dans la sorcellerie. Et puis, elle a l'esprit de dragon. Je ne le dis pas parce que je veux l'aider. Voilà. Donc, je confirme un esprit qui l'anime. Cette dame, elle est un esprit puissant de la sorcellerie. Et puis, elle est un esprit de dragon. Si elle veut que je l'aide, c'est 20 minutes. Puis, les démons s'en vont. Je suis maréchal. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. J'ai dit, la dame que je vois là, mon scanner ne ment pas. Mon détecteur ne me trompe jamais. Il ne tombe jamais en panne. Cette dame qui est en face de moi, est-ce qu'elle est mon appareil? Madame, on a une fois parlé très bien. Non. On se connaît? Non. Ouais, pendant que je parlais avec toi, mon scanner, mon détecteur est en œuvre. Il me vibrait. Il lui dit, reste tranquille. Je suis en train de prêcher. Il faut rester tranquille. Donc, quand il a fini de prêcher, le détecteur est tombé sur toi. Et puis, je vois en toi un esprit de dragon qui est buveur de sang. Et puis, un esprit de sorcellerie. C'est comme ça. Moi, ça ne m'a jamais trompé. Et ça ne trompe jamais. C'est comme ça, Jésus. On m'a pris ici, on m'a emmené dans un village où on est en train de construire mais un dispensaire qui tombait. 6 personnes entrepreneurs sont morts. On dit, mais... qu'est-ce que c'est pas? J'ai dit, il y a 36 sorciers dans votre village. On m'a envoyé à Zegrebou. J'ai attrapé les 36 sorciers dans leur village, devant eux tous. Donc, je ne suis pas un plaisantin. Voilà, je ne suis pas un plaisantin. J'ai des preuves de mon ministère. Alors, si tu veux que je t'aide, je vais t'aider. Aide-moi. Je vais t'aider. Moi, je suis prêt à t'aider. Mais il faut désirer. Faut que je t'aide. Donc, mets-toi à la place là-bas. Va là-bas. Il y a une place pour ceux qu'on aide. Allez. Voilà, il y a des places là. Il y a place pour les... Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Vous êtes là depuis quand, vous? Mercredi. Vous êtes là mercredi? Asseyez-vous, madame. La vie, elle est trop dangereuse. Avec des sorcelleries et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, maintenant, je vais parler, je vais rentrer dans le but du sujet. C'est-à-dire, je vais rentrer. Quels sont ceux qui sont sorciers qui ont besoin de mon aide pour être délivrés? Venez, je vais vous dire. La distance n'est pas une barrière. Pendant que vos mains sont sur vos têtes, j'ai prié que la puissante main de Dieu vous touche. Vous allez sentir quelque chose qui va se produire. Il prouve que le Seigneur est avec vous à Divo. Et précisément dans ce temple-là, à Pénière. Pendant que je parle, les esprits qui contrôlaient vos vies. Voilà, je commande à ces esprits maintenant. Quelque chose en train de se passer. Et les esprits, je les commande de partir. Quitter les vies. Maintenant. Voilà, quittez ces vies maintenant. Je commande à ces démons qui contrôlent vos vies. Je commande à ces esprits. Sortez des corps. Sortez. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La puissance, voilà, le feu vous touche. Voilà, le feu. Touche le feu. Le feu vous touche. La puissance de Dieu. Tout esprit de mort, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'ensorcellerie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de dragon, tout esprit de serpent, tout esprit d'assirée des eaux, au nom puissant de Jésus-Christ, qui contrôle votre vie, je commande à ces démons de partir de votre vie. C'est un ordre. Et maintenant même, les démons partent de votre vie. Quittez la vie, maintenant. Sortez. Libérez ce corps. Libérez. 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 Libérez sa vie. C'est un ordre. Le feu vous touche. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Suivez très bien les pasteurs parce que la puissance de Dieu est en train de descendre sur le corps. La puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. À la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oh, comment? Le feu du Saint-Esprit.
le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le commande aux esprits, libérez les corps. Aujourd'hui est le jour de votre délivrance. J'ai dit, très bien, aujourd'hui est le jour de votre délivrance. Je décrète votre délivrance, je proclame votre délivrance. Aujourd'hui même, le Seigneur Jésus vous libère. Aujourd'hui même, l'onction de Dieu vous libère. Aujourd'hui même, l'onction de Dieu vous libère. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Sortez des corps. Sortez des corps. Sortez. Je vous déchaîne. Au nom de Jésus. Je vous déchaîne au nom de Jésus. Je brise le pouvoir des ténèbres. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes de la captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je sens ce qu'un blanc là, juste parce qu'un foulard blanc. J'ai un esprit qui contrôle sa vie, n'est-ce pas? J'ai un esprit de sorcellerie d'une dame qui contrôle sa vie. Et c'est cela que je t'ordonne maintenant même. Pendant que je prie, je t'ordonne de libérer sa vie. La fin de ton règne dans sa vie. Toi, lâche la fille, laisse-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. Va-t'en. Libère-la. 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 C'est la fin de ton règne. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. C'est un ordre. Lâche-la. Je demande au pasteur Serge de toucher sa tête, cet ampoule blanc. Voilà, touche sa tête. Il y a une notion particulière qui descend si elle fleurisse sa vie. Ma fille, Dieu te libère maintenant. Tu reçois ta délivrance maintenant. Tu reçois ta délivrance maintenant. Les chaînes tombent. Le pouvoir des ténèbres te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Ouais, lâche-la. Lâche-la. C'est un ordre. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Pasteur Joël, mets la main sur cette fille qui en blanc ici devant. Touche-la aussi. Non, laisse, Pasteur Joël. Laisse, Pasteur Joël. Voilà, pendant que je prie. Non, mets-toi derrière. Pendant que je prie, je vous communique aussi une double onction de l'esprit qui est sur ma vie. Voilà. La puissance de Dieu. Voilà. Brise. Recevez. Recevez. Recevez l'onction de délivrance. Brise. Voilà. Touche le feu. Voilà. Touche. Feu. Parce que je vois l'intention, parce que c'est fort. Ce qui descend sur cette fille, c'est tellement fort. C'est un esprit puissant, un démon terrible qui va quitter son corps de suite. C'est un démon, vilain démon qui va quitter son corps. C'est un vilain démon qui va quitter son corps. Au nom de Jésus, sors d'elle. Lâche-la. Feu. Lui sort. Lâche-la. Tu sors. Pas. C'est la fin de ton règne. Va-t'en. Pas. Manifeste-toi pas. Lâche-la. Tu es là et va-t'en. Je te commande de partir. Va. Au nom de Jésus. Va-t'en. Sors d'elle. Il est violent. Il faut suivre très bien, Joël. Le démon, il est très violent. Il est très violent. Donc, suis très bien. Parce qu'il va se manifester. Il est très violent. Sors d'elle. Va-t'en. Feu. Va. Je suis très bien, parce que le démon est très violent. Sors d'elle.
Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te commande maintenant. Va-t'en. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu vas partir. C'est un ordre. Tu vas la libérer maintenant même. Tu vas la libérer maintenant même. Tu vas la libérer maintenant. C'est un ordre. Va-t'en. 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 Voilà, va-t'en. Le feu sur toi. 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 Voilà, le feu. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Libère-la. 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 Va-t'en, va-t'en. 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 Va-t'en, va-t'en. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Je brise ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Le feu te détruit. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Lâche, laisse à terre, laisse à terre. Laisse à terre, mais suis très bien. Laisse à terre. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Et pendant que je prie, tous les pasteurs, l'onction, Dieu renouvelle l'onction dans votre vie. Dieu renouvelle sa force dans votre vie. Dieu renouvelle cette force de l'esprit dans votre vie. Sors d'elle. Allez-y. Va-t'en. 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 Le feu. Va-t'en. Va-t'en, voilà, va-t'en. Le pouvoir, la puissance de Dieu écrase ton pouvoir. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir. La puissance de Dieu déstabilise ton pouvoir. La puissance de Dieu déstabilise ton pouvoir. Reçois le feu. Et vous tous qui êtes là, présents devant, une onction particulière vous guérit, une onction de Dieu vous délivre. Lâchez ces vies. Je commande à ces esprits, va-t'en, lâche-la. Va-t'en, va-t'en, au nom de Jésus, 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 va-t'en, lâche-la, 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 au nom de Jésus, lâche-la, lâche-la, au nom de Jésus. Je vois comme un gorille très violent, venu, un monstre, c'est comme un gorille, un être, c'est un esprit terrible dont les yeux sont rouges qui possède cette fille, n'est-ce pas, qui possède cette fille. Voilà, qui possède cette pique en face, qui est en face de jouer, de passe de jouer. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. C'est un ordre, sors d'elle. Va-t'en, voilà, va-t'en. 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 Le démon, il est violent. Hein. Faut tout très bien. Faut suivre le feu. Quitte sa vie. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton pouvoir. Laisse-la, passe de jouer. Faut pas la. Faut pas, j'ai pas entendu. Lâche. Au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu. Oui, sors d'elle. Va. Va-t'en. Tu m'entends? Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. L'onction brise ton pouvoir. L'onction détruit ton pouvoir. Lâche-la, Joël. Hé. L'onction brise ton pouvoir. Mets-toi derrière. Je n'ai pas dit de la. Mets-toi juste derrière. L'onction brise ton pouvoir. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir. Lâche-la. 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 Maintenant, sors d'elle. C'est la fin de ton règne. Voilà, c'est la fin de ton règne. Voilà, c'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton pouvoir. C'est fini pour toi. C'est fini. Voilà, c'est fini.
c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini là, c'est fini. L'esprit te terrasse, l'esprit te terrasse, l'esprit te terrasse, le feu te terrasse, le feu de l'esprit te terrasse, le feu te terrasse, le feu te terrasse, la puissance de Dieu te terrasse, le feu te terrasse, le feu te terrasse, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois, 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 reçois. Reçois ta délivrance. Tu brises ton pouvoir. Sors d'elle. Sors d'elle. Maintenant. Sors d'elle. Sors. 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 Va. Va. Va-t'en. Voilà, va-t'en. 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 Tu pars. Tu m'attends, tu pars. Tu n'as pas de raison à rester dans son corps. Tu pars, c'est un ordre. Va-t'en. Pousse ton cri et va. Pousse ton dernier cri et pars. Ton dernier cri de défaite et tu pars. Le feu consume vos œuvres, tes œuvres dans ce corps. Va-t'en. Libère-la. Tu m'attends? Libère-la. Je refuse que tu la rendes folle. Je refuse que tu viennes avec l'esprit de folie dans sa vie. Je refuse. Lâche sa vie. Elle a appelé à vivre une vie heureuse. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi maintenant. Le feu sur toi maintenant. La puissance de Dieu consume tes yeux. La puissance de Dieu consume tes yeux. L'Esprit de Dieu détruit ton pouvoir. Puissance des ténèbres, lâche-la. Sors d'elle. Voilà, sors d'elle. Va-t'en. Tu es vaincu et sors. Va-t'en. 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 C'est un ordre, va-t'en. C'est un ordre, va-t'en. Tu pars. Va. Va. Va, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, le feu sur toi, l'esprit de Dieu détruit ton pouvoir, lâche-la, 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 lâche-la. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds, je brise le pouvoir et les chaînes des ténèbres dans ta vie. Je brise le pouvoir des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissante main de Jésus te libère. La puissante main de Jésus. Recevez-vous toutes qui êtes présentes. Vous toutes arrêtez, tout ce qui est arrêté, recevez la délivrance, recevez la visitation de la puissance de Dieu. Recevez la visitation de la puissance de Dieu. Toute maladie, n'est-ce pas, part de votre corps. Tout esprit, au nom de Jésus, disparaît de votre vie. Recevez par la puissance de l'onction de Dieu sur votre vie. Je vous communique dans la salle, dans toute la salle, toute personne présente. Recevez une onction de Dieu, au nom de Jésus, que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Amen.